On est très très heureux de vous retrouver avec Pierre pour cette rencontre d'UEFA Champions League. Ouais, on n'apprend rien à personne, c'est le top en Europe, le reste à côté, tu m'excuseras, c'est un peu les compètes en bois. Et dans ce match, nous retrouvons l'Ajax face au FC Valence. La composition de l'équipe locale qui s'affiche. L'entraîneur a choisi de densifier son milieu de terrain en alignant un 4-5-1. On va donc voir un bloc. La frappe. Il s'est déchiré sur ce tir. Il va rendre le ballon à l'adversaire avec cette touche. Gabriel. Bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Deuxième Tadic. Bonne récupération au milieu de terrain. Et là, c'est Valence qui va pouvoir avancer, car il n'y a personne sur les côtés. Oh, le centre peut-être. Ah, il dégage ce ballon. Non, elle est interceptée cette passe. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Non, ça n'ira pas plus loin. Van de Beek. Elle a complètement manqué son tir. Le tir. Oh, le but! Le premier but dans ce match! Ah, ça, c'est bon pour la confiance. Maintenant, le mieux, ce serait d'en claquer un autre et se mettre à l'abri, ma bonne dame. Une frappe sans contrôle qui ne laisse aucune chance au gardien. Oui, tout en spontanéité, Hervé. Valence qui mène dans ce match. Dusan Tadic. Ziyech. Oui, il a bien lu le jeu. Ballon intercepté. Garay. La passe est interceptée. Le ballon pour les joueurs de l'Ajax. Cette touche. David Neres. Danny Van de Beek. Le premier match de l'UEFA Ligue des Champions. Ah, la passe en profondeur, attention. Ouais, c'est bien donné ça. Dusan Tadic. Bon, dégagement, sans se poser de questions. David Neres. Dusan Tadic. Hakim Ziyech. Oh, le but! Le but de l'égalisation pour cette équipe. Ouais, elle a su réagir, c'était pas évident de courir après le score comme ça, mais elle a su revenir à la hauteur de l'adversaire. Une frappe tendue à la base du montant gauche. Bon, c'est très très bien fait ça. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Allez, tout est à refaire, un but partout. Coquelin. Santimina. Rodrigo. Et le faire sortir la défense, hein, c'est clair. Ouais, non, finalement, ça a été intercepté. David Neres. Carlos Soler. Oui, bien sûr, les passes dans les 30 derniers mètres, ce sont les plus difficiles. David Neres. Rodrigo. Gonzalo Gómez. Santimina. Gonzalo. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Et la voilà, la frappe. Valero. Le ballon pour les joueurs de l'Ajax. Cette touche. Mazraoui. Young, Lasse Schön, Dusan Tadic,
Danny Van de Dijk. Ah, c'est bien mené ça. Il cherche un petit pied dans la surface. Le dégagement pour éloigner le danger. Rodrigo. Valero. Il récupère le ballon sur cette interception. Valero. Et 2 minutes seulement ont été ajoutées par l'arbitre. Gonzalo Guedes. Valero. Superbe occasion de prendre l'avantage là qui s'envole. Trop de précipitation. Voilà la fin des 45 premières minutes. La suite de ce premier match de la phase de groupe. On repart pour 45 minutes. Coquelin. Et ils sont à la récupération. Deuxième pitch. Bonne anticipation sur cette passe. Les joueurs du FC Valence qui vont tenter de créer le danger. Oh, il peut centrer. Le centre à destination de ses partenaires. C'est dégagé. Il a signé une bonne première période, hein, je trouve. Bon, c'est mon avis. Pierre, vous en avez pensé quoi, vous, de sa performance? Je retiens surtout son but qui permet à son équipe d'égaliser, de rester dans le coup pour le moment. Allez, dégage, très loin. Gonzalo Guedes, but pour le FC Valence. C'est vrai qu'à cette distance, c'est quand même plus facile. Ah, même toi, tu l'aurais mis. Moi, peut-être pas, mais toi, oui. Le réalisateur qui nous remontre ce but. Valence qui mène dans ce match. Ah, il a bien senti le coup, c'est intercepté. Dosan Tadi choisit la frappe. Non, c'est contré. Gamero. Gonzalo Guedes. Le centre pour Gamero. Oh, ça frôle le cadre! Il n'a pas voulu la jouer en force, il aurait peut-être dû. Ziyech. Dusan Tadić. Ouais, lumineux cette passe. En profondeur. Ouais, l'arrêt du gardien. Prise de balle parfaite. Ziyech. Dusan Tadić. Le ballon donné au millimètre, attention. Ah, mais on peut dire que ça a été chaud, hein, pour la défense. Attention à la frappe. Ce sera un corner pour l'Ajax. Frapper ce corner au niveau du point de pénalty. Avec De Jong. La frappe. C'est contré, hein, par le défenseur, dommage. Gaïa. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire, hein, qui récupère. Avec un tir. Oh oui, très beau. Magnifique parade, hein, du gardien. Supporter qui aimerait bien que cette domination se traduise par un but. Attention à ce corner. Ouais, la bonne sortie du gardien sur ce corner. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Ah, la bonne qualité de ses passes. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Tardier Fico. Les supporters qu'ils savent, si leur équipe doit égaliser, c'est maintenant. Ziyech. Oh, c'est un boulevard là pour les joueurs de l'Ajax. C'est dans le paquet. Un centre et au bout du compte, pas de danger. Gaïa.
Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. Bon geste défensif. Ce sera donc une touche. Ah, il est à l'interception. Ah, et bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. Rodrigo. Corner pour le FC Valence. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Ah, ça joue physique, hein, il fait ce qu'il faut. Le tir. Ah, cette frappe qui est contrée, bien défendue. Et le public qui pousse, Pierre. Hein, il ne veut pas voir son équipe en profondeur. Oui, bien vu. Ouais, toujours aussi précis. Ouais, la passe en profondeur, attention. Allez, ils peuvent égaliser là. Ouais, ils ont réussi à s'en sortir, mais ils ont eu un petit coup de chaud là. 2 minutes de temps additionnel, c'est ce qu'indique l'arbitre. Danny Van de Beek. Oh, sur cette interception, il vient de casser une occasion terrible. La dernière minute avant le temps additionnel. Et l'arbitre qui siffle la fin de ce match de phase de groupe dans cette UEFA Ligue des Champions. Ah, une défaite qui n'arrange pas les affaires de cette...